Monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Sao Paulo au Brésil pour la dernière manche du GP3. À mes côtés, bien sûr, Jean-Louis Moncey et Charline Jolès. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. 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 Dicker va arriver dans quelques instants, évidemment. Il s'occupe de nous amener les cafés. Course va être longue. Oui, ça va être très très long. On commence Et dès pas la de pluie prévue. qualification. Bon, d'ailleurs, on va quitter tout de suite, histoire d'être sûr de partir dernier. Hop, on se plante pas de boutons. Non, mais j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de quitter la séance au lieu d'abandonner la session. Voilà. Et là, on va observer. Oh, Greg est premier en piste. j'ai pas regardé s'il allait pleuvoir. C'est déjà première Non, erreur. 0% de pluie. Pour la course et la qualif? Ouais. Oh non. En tout cas, le ciel est gris, légèrement brumeux, à tendance crachineuse. Le crachin est de mise. Joli. Très très beau. Alors, Alors que Greg est le premier à à tâter. s'élancer. Ouais. Il tâte le bitume. Ouais, l'asphalte. Il zigzague. Le tarmac. Le macadam. Beaucoup de synonymes hein, ce soir. il a fait une très bonne course à Austin, Greg, il faut le signaler. On l'a signalé derrière. Et vous l'avez entendu dans l'avant-grand prix, il attend encore une bonne course ce soir. Enfin, je crois, parce que comme j'ai pas tout écouté quand il parlait, vu que j'étais en train de préparer des Non, trucs. il a, oui, il a trouvé de bons réglages et il attend. Oui. Il espérait une course sèche, apparemment, Ouais, ça va être sur le sec. son vœu est exaucé. Allez. Donc, on va regarder si Blondin prend vraiment la piste ou s'il va juste en spectateur, parce qu'il y a eu la rumeur, hein, on ne savait pas si Blondin allait rouler ce soir. Il est venu en tout cas, c'est déjà ça. Et on va le chercher sur la piste. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de geste inconsidéré de personne à l'air fixe ce soir. Moi, j'ai très peur. Mais bon, on verra bien. Ouais, moi aussi, Ouais, c'est c'est ma hantise. électrique à Sao Paulo. C'est ma hantise que Blondin, arrivé à 3 tours de la fin, pète un petit câble et nous fasse un strike. Mais bon, je pense pas que le garçon serait capable de ça. À mon avis, Je pense pas, non. non, c'est pas dans son style. Même s'il a montré beaucoup de nervosité ces derniers jours, je pense que c'est plus par écrit dans les propos, mais je pense qu'en piste, il fera pas. Je pense qu'il serait capable par contre de finir devant Christopher, tu vois, Ah juste oui, pour le faire rager. Même il si au va niveau des essayer. points c'est mort, Ouais. mais tu vois. Ah ça, il va essayer absolument de finir devant Christopher, lui montrer que sans tous ces incidents, il pouvait être devant. Voilà. L'aspect psychologique dont un deux en même temps. Oui, mais c'est ça, non mais là on est clairement dans la psychologie, vous avez raison de Allez, signaler. fin de tour pour Greg. Il y a Ouais. derrière, je ne sais pas qui il y a, mais il y a quelqu'un également. Alors, on parle donc, les essais parlent de une 10, une 11 pour le groupe. Torero sûrement en 1-9. Il est un peu loin pour le premier tour, Greg. Ouais, il va être dans le 1-11. Ah non, ah, Une si, 11-8. ouais, c'est un gros 1-11. Ricky, tiens, on est sur Ricky qui lance tout. Bah. Y a Christopher également. Keops qui va terminer son tour, il est en dur, Keops. Oui, alors il y a la stratégie, donc comme le dit Nicker, 3 arrêts certainement, 3 trains de prime et un train d'option, à voir quand Une l'utiliser. 11-6 pour Keops, en dur. C'est pas mal, pas mal. Keops aussi Torero a reçu été meilleur la saison. 0,95. Mais de manière générale, pas mal de monde a progressé en GP3. Je trouvais que ces derniers Grands Prix, il y avait des bons rythmes, même s'il y a toujours un GP3 à deux vitesses. Allez, Chris qui termine son tour. Il est pas mal. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Dicker nous rejoint. Je suis Je suis là. reviendu. Chris, deuxième temps. Et en combien? Une 10 et quelques, parce que je viens de partir, donc je Une sais plus. Une 0,95 pour Torero. Et Ricky Ricky 3ème. derrière. Ricky est 3ème. Ricky derrière Christopher, ouais, 5 dixièmes. 5 dixièmes. Une 10,6 pour C'est un Christopher. peu dans la lignée de ce qu'on a vu en qualif ces derniers temps, Christopher Et intérieur. Torero, il est aussi rapide que DF1 là sur son tour de qualif. C'est, je dis Pas. pas de bêtises là. Oui, en combien? Il est en 1,095. Thelma, ça avait fait 1,093. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Oui, c'est plutôt bien, oui. Il a fait un meilleur temps que moi, quoi. Ouais, il se Un plaçait dixième. dans le milieu de la F1, quoi. Enfin, derrière les gros cadors et parmi les GP2 F1, que sont Chris, Dicker et les masses, quoi. Mais Un même Tigre un cinquième. peu devant, vous avez raison, un peu devant. Certains, en tout cas. Attends, tu sais ce qui est sorti.
Je sais pas si Ricky est en train de refaire un tour là, je suis redessus. Mais... Ah, il sort du dernier virage un petit peu, ce sera pas possible. On va avoir un tour. Non, Ricky est pas en train de faire un tour. Eh, hey, Magic Greg, quatrième, il a amélioré. Ouais. 11-5. Magic Greg qui était absent les deux dernières courses et qui tenait absolument à venir pour celle-ci. Il avait prévenu de son absence, hein. Je sais plus ce que c'était la raison. Mais... Ah, il fait un tour. Où est-ce qu'il perd du temps? Mathieu. Piste. Un beau premier secteur. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? On espère bien sûr. Il y avait une voiture arrêtée là pour laisser passer. On espère qu'Atalanti ne buggera pas cette fois. C'est sympa qu'il puisse finir. Il a l'air à l'aise, Matic Greg, sur ce circuit. Ouais. Mathieu qui est dans un tour lancé, dans le deuxième secteur. Ah, tiens, on va voir Mathieu, est-ce qu'il a fait des bonnes performances là, les deux derniers Grands Prix? Il avait fait un. De toute façon, il suit une Lotus. Au premier secteur. Ouais. Il suit une Lotus, là, de pas très loin. Ça va être serré. Dans la tête, on se fait toujours gêner, hein, même si le pilote ouais. laisse passer. On est toujours. Toujours déconcentré. Mais surtout que là, il laisse pas passer parce qu'il est aussi sur un tour à peu près de la même vitesse. Ah, là, ça va. Ouais, ça a coupé. Oh, il s'est fait. Il a quitté ah, la qualif. Ouais, il a coupé le tour. Mathieu, il a coupé le virage et ça l'a automatiquement. Sorti de la qualif. Attention là, parce qu'il va, il va y avoir une voiture sur la piste. Il y a une voiture qui va traîner sur la piste et il y a aussi. Ça veut dire qu'il faut assurer un tour avant de prendre tous les risques parce que sinon vous pouvez vous retrouver gros gens devant. Il est arrivé la même chose à Rafa et à Dicker en F1. Ouais, c'est ça. T'es 34 qui attaque là. Et sur le premier tour. Il y a trop d'infos là, à la seconde. Quoi. Tout le monde parle autant de modifier. Non mais en même temps ce virage là il est. Ah, oui. Il est traite parce que si tu freines trop tôt, tu prends la corde bah, comme a fait Mathieu, donc bah tu tournes trop tôt. Et, ouais. Et si tu freines trop tard, tu finis tout droit. C'est clair. Donc faut vraiment à chaque fois freiner au bon endroit, même si en réussissant à prendre le virage, on le prend pas toujours à la corde. Il y a vraiment un point précis pour l'avoir à la corde. C'est vrai. Petite surprise, Hamilton est quatrième. C'est une très très bonne... On va en avoir des surprises, on s'en prie, moi je vous le dis. Est-ce que peut-être qu'il va se défoncer pour essayer d'aider son coéquipier, lui aussi, il peut avoir un rôle à jouer, hein, c'est le coéquipier de Ricky. Ils ont dû en parler, je pense. Ah oui. Ils ont dû grandement en parler, parce que là... qui va succéder, si je puis dire, à Johan. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme 34 ça, de certaine manière, parce que ces pilotes-là, là, la plupart de ces pilotes étaient dans le groupe GP2 l'année dernière. Hein. Bah, bien sûr. Bah, ils étaient tous. Talentus et frétillant. Donc sa connexion dangereuse, certainement encore. T'es 34 aussi, ça frétille. Ah. T'es 34, c'est son style de pilotage. Chez moi, Talentus ne frétille pas. Une 11-2, il a pris la 4ème place. Greg en 1-11-8 en 9ème. Vous voyez que les écarts sont serrés, on l'avait pressenti. Une 9-3 pour Torreiro, ça descend encore. Ça descend encore, c'est incroyable. De quoi? Il est loin de Lortus là. Ah non, il est bien. Oh la vache, il a fait un meilleur chrono que Delmas. Ouais, bah ouais, mais en entraînement il avait fait une 0-9-0 Delmas quand même. Ce qui était extraordinaire. Mais il avait aussi. Ouais. Christopher en 10.7, il n'a pas amélioré depuis tout à l'heure, il est toujours deuxième.